Oui, bonjour. Ben, je vais vous montrer aujourd'hui comment ajuster les amortisseurs arrière d'un Softail. Alors, il vous faut une clé spéciale. La voilà, regardez. Alors voilà, vous avez la référence dessus. C'est la clé qui fait des tours sur les pots d'amortisseurs. Et puis pour débloquer les contre-écrous, vous servez de la clé, vous voyez, celle d'Harley Davidson, entièrement ouverte, elle marche très bien. Sinon, vous prenez une clé de 26, une clé de 26 va très bien. Voilà, je vais vous montrer ça, je vais vous passer dessous, je vais essayer de vous photographier le dessous et pour vous montrer de quelle manière on va s'y prendre. Donc voilà comment on met la clé. Vous voyez comment on l'installe, là je vois qu'on le voit bien, que j'abîme pas mon smartphone. Et ensuite, on tourne donc dans le sens inverse, on visse donc pour ramener la totalité à zéro. Que j'essaie de vous montrer le deuxième. Voilà, là vous le voyez bien, ici, vous voyez dans le méplat. Alors moi j'ai tout ramené là. J'ai tout ramené à zéro. Donc maintenant, je vais faire deux tours. C'est le poids que je vais demander. Vous voyez, il suffit d'appuyer et de tirer. C'est assez simple en fait, hein. Après, il ne faudra pas oublier le contre-écrou, hein, de remettre le contre-écrou en place. Voilà, je vais vous donner des tares du nombre de tours, chaque nombre de tours complet. Hein, vous faites une marque. Moi, je me sers des marqueurs Harley Davidson, vous voyez, qu'il y a ici. Hein? Et chaque fois que vous faites un tour, ça correspond à un nombre de kilos que je vais vous donner. Alors donc, je répète, hein, donc vous serrez dans le sens des aiguilles, dans le sens horaire complètement jusqu'au moment où ça bute, et vous dévissez donc à contresens au nombre de tours que je vais vous donner. Donc pour celle-là, hein, pour le Softail, parce que je crois que ça change en fonction de modèle. Hein. Moins de 75 kilos, ça vous fait zéro tour, donc vous restez bloqué comme vous êtes. Hein. De 75 à 100 kilos, vous faites un tour. De 100 à 125 kilos, vous faites deux tours. De 125 à 152 kilos, vous faites trois tours. De 152 à 179 kilos, vous faites quatre tours. Alors, c'est quand vous commencez à charger. Et puis, vous oubliez pas surtout de resserrer le contre-écrou derrière, que ça ne se dévisse pas en roulant. Voilà. Je vous souhaite un bon travail. Au revoir.